Bonjour, je vous fais une démo rapide de Aspire. Donc pour faire simple, il y a un moteur de recherche où on peut choisir Facebook ou Google Maps. Donc sur Facebook, on a un seul champ, donc c'est un champ mot-clé. On va utiliser Google pour récupérer une liste de 100 pages Facebook maximum quand on a le mot-clé. En l'occurrence, là, c'est agence digitale SEO. Et ensuite, on va lister la totalité des pages Facebook et on va scraper à l'intérieur de ces pages pour récupérer email, numéro de téléphone, adresse et website. Donc là sur la vidéo on voit que l'email, mais on est en train de réparer et on va dès aujourd'hui récupérer téléphone et adresse physique. Donc ensuite on attend quelques minutes le temps de scraper les pages une à une, et derrière bien évidemment on peut sauvegarder le résultat et les extraire dans des Excel ou CSV. Ensuite avec Google Maps, on va faire la même chose, sauf qu'on va rajouter un champ qui est le champ localisation, donc une ville. Pour l'instant, j'utilise pas le géocodage parce que ça marche très bien ça, mais peut-être qu'on mettra un géocodage plus tard. Donc là, on va faire la même chose avec agence digitale SEO. Donc on récupère de Google Maps la liste des annonces, donc toutes les annonces qui sortent avec agence digitale SEO Paris. Donc on les récupère directement depuis Google. Je crois qu'on en récupère maximum 200 par combinaison mot-clé ville. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer donc le nom, le site internet, le téléphone et l'adresse. Et on va relister la liste des sites internet et on vient scroller toutes les pages une par une, donc tous les sites internet, pour aller chercher à l'intérieur de chacun des sites une éventuelle adresse email, parce que les adresses email ne sont pas présentes sur la fiche de Google Maps. Et on est en train de travailler pour faire quelque chose de similaire avec Instagram, qui je pense va marcher très très bien aussi. Voilà un petit peu pour faire un tour d'horizon de comment marche le logiciel SaaS Aspire.